C'est un événement exceptionnel puisque c'est la mise en bouteille des vins que porte la ville de Montpellier, de son domaine, qui est le domaine du Grand Puy. Et aujourd'hui, c'est la collaboration que nous avons mis en place avec les compagnons de Maguelone. On va goûter les assemblages, la production, avec la découverte aussi de l'étiquette. De Maguelone, c'est un ESAT qui accueille des personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs ateliers sur le domaine, donc la partie viticole où on travaille avec une quinzaine de compagnons. Ces parcelles sont cultivées par l'entreprise adaptée des compagnons de Maguelone. Et ensuite, les raisins sont vinifiés ici, sur la presqu'île, chez les compagnons de Maguelone. Ça fait 5 ans que je travaille aux compagnons de Maguelone. Ici, on a des gens qui n'arrivent pas bien, qui n'arrivent pas à travailler en milieu ordinaire. Bon, moi, je travaille en milieu ordinaire, donc... Moi, je préfère être ici parce que c'est plus adapté pour moi. L'avantage que l'on a à Montpellier, c'est que notre vignoble, il est dans le cœur de la ville. Donc, c'est vraiment un poumon vivant. Ça correspond aussi à l'ADN de Montpellier avec la transition écologique. Ce qui est quand même une forme de modernité, c'est de remettre la matière vivante, finalement, au cœur d'une cité urbaine. Et puis, ça rentre dans l'esprit aussi de la végétalisation et de faire pénétrer l'agriculture dans l'ensemble de notre territoire.